Spectateurs d'Ivoire TV Musique, bien le bonjour chez vous. Bienvenue dans Fafa. Dans cette émission, nous avons une devise, union, discipline, travail, béré. Oui, nous avons un invité qui se fait remarquer de par son talent, de par son attitude, parce qu'il se fait appeler le rebelle. Vous l'avez deviné, Tiesco le Sultan est l'invité de Fafa. Alors, bonjour Tiesco le Sultan. Bonjour. Bienvenue dans Fafa. Merci. Tu es un habitué de la maison, hein, donc voilà. Mets-toi à tes aises et puis bon, on va commencer l'émission. Je suis à l'aise. Super. Merci. Bonne heureuse année à toi Tiesco. Merci mon vieux. Ben, ça fait plaisir. De... Merci, ça fait plaisir de te retrouver encore cette nouvelle année 2023. Mais tu as commencé l'année trop en trompe parce que nous on était dans les meilleurs vœux, tu vois. Ouais. Donc moi je vais sur la toile. Pour lui souhaiter mes vœux à mes amis, mes frères, bon, un peu, tu vois. Et puis, un coup, je vois bim, une image qui apparaît, une vidéo. Et dans la vidéo, bon, en fait, c'est qu'on voit là. On se dit que à quel moment ça peut se passer. Tiens, que le Sultan, Lolo Beauté, parce que c'est une relation amoureuse. C'est-à-dire que vous embrassez, vous vous bécotez, love. C'est pas musulman, c'est pas les trucs de temps. C'est-à-dire qu'on a vu le béco. Là, tu es bien placé pour demander l'explication de Sarah. Parce que moi, c'est pour ça que nous aussi, on a décidé d'inviter Tiesco. Parce que comme on aime le béret. Ah, voilà. Donc, qui est mieux placé pour nous expliquer cette affaire, si ce n'est Tiesco le Sultan lui-même. Donc, Tiesco, on va rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas trop tourner. Lolo Beauté, Tiesco le Sultan, qu'en est-il exactement? Mais c'est ça, c'est que vous avez vu là, c'est ça? Non. C'est que vous avez vu, c'est que tout le monde a vu là, c'est ça? Non, c'est pas bien. Vous viens nous dire. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui là, c'est toi qui vas t'occuper des quatre enfants de Lolo Beauté. Elle s'occupe déjà très bien de ses enfants. Elle n'a pas besoin de moi pour s'occuper de ses enfants. Je vais peut-être l'aider à porter une main en plus, mais c'est une mère digne, c'est une mère capable. Donc. Que je sois avec elle ou pas, ça ne change rien en ce qui concerne l'éducation de ses enfants. Non, il y a une chose qui me fatigue encore. Parce que nous, on a reçu Lolo Beauté ici sur le plateau. C'est ça. Elle avait une bague de mariage dans son doigt. Une alliance qui priait. Qu'elle est mariée. Ah bon? Mais bien sûr. Bon, à notre grande surprise. Non, mais tu sais, elle est la mieux placée pour vous expliquer cette histoire de bague. Vous savez, Lolo, c'est une joueuse. Elle aime être là où on ne l'attend pas. D'accord. Elle aime manipuler un peu l'audience, son audience. Okay. Parce que ce qui se passe sur les réseaux, dans les émissions et tout ça, c'est elle qui dirige. Donc, elle veut te faire croire qu'elle est en Chine, elle est en Chine. Mais donc, est-ce qu'elle ne cherche pas aussi à nous faire croire qu'elle est en relation aussi avec toi, vu que tu le dis si bien? Parce que je ne vais pas te mentir, hein. Moi je me dis que c'est un buzz. Je suis d'accord avec toi et je suis d'accord avec tous ceux qui disent que c'est un buzz. Parce que tout le monde le dit sur la toile, c'est pas que nous seulement. Parce que les réactions sont allées de bout en train. Les réactions sont allées dans tous les sens. Nous, on a vu des gens sur la toile qui disent non, mais Tiesco, même son affaire de buzz, mais quand même, il s'est embrassé le lot dedans. Bon, les gars se disent, mais Tiesco, ça te dérange pas qu'ils disent que tu n'as pas de limite pour le buzz. Tu sais, je suis d'accord avec vous et je suis d'accord avec tous ceux qui disent que c'est un buzz. Et pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que je suis d'accord. Un buzz, on est en 2023. Il faut que les gens sachent ce qui est la définition du buzz. D'accord, donc dis-nous. Un buzz, c'est quelque chose dont tout le monde parle en même temps. Donc ma relation avec Lolo, c'est un buzz, ça fait du buzz. Et le buzz maintenant, il y a ça des... fait du buzz ou c'est un buzz? Non, c'est un buzz. Ok. Quand on dit c'est un buzz, c'est-à-dire tout le monde parle de ça. D'accord. Et en même temps. Oui. Donc c'est un buzz. Oui. Maintenant, un buzz peut être positif. Ou négatif. Et fabriqué aussi. Et fabriqué. Un buzz peut être positif ou négatif. Et fabriqué aussi. Un buzz peut être aussi fabriqué. Ben voilà, on est d'accord. Mais celui-là, c'est un buzz qui est réel. Bon, et d'accord. Qui n'est pas fabriqué, qui est réel. On va commencer par le début, hein, Tiesco. D'accord. Déjà, comment tu as connu Lolo Beauté dans ta vie? Comment vous vous êtes rencontrés? Bon,
pour te dire vrai, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que j'aurais aimé qu'on m'invite pour la nouvelle sortie que j'ai fait avec... Non, on va parler de ça, ne t'inquiète. Tu comprends, j'aimerais qu'on parle beaucoup plus de ma musique. Parce que j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, les gens, ils aiment trop tout ça. Ah oui, nous, on adore ça. Voilà. Le béret, c'est notre devise. Mais toi aussi, là, tu sais aussi la fête aussi. C'est pas que les gens aiment trop. Moi, je vis ma vie. Les gens prennent ma vie pour un buzz parce que je suis une star. Donc, tu présentes ta chose. Ouais, toi, tu présentes moi, je vis ma vie ici. Je suis avec ma femme et qu'on s'embrasse et que les gens en parlent et que ça leur plaît. La relation d'avant-hier, c'est une femme en même temps. Non, chez nous, en Afrique, quand tu sors déjà avec quelqu'un, c'est comme si c'est ta femme. Non, faut pas, après, tu avais nous dit ici. Que Lolo est comme ça. Non, et alors, et même si je dis, actuellement je suis avec elle, si demain je ne suis pas avec elle et que chacun a envie de dire ce qu'il veut, ça n'engage que la personne. Bon, réponds maintenant à ma question. Pourquoi? Comment vous vous êtes rencontrés, Lolo et toi? On s'est rencontrés, ça fait quand même un bon bout de temps, mais on a caché cette relation. Parce que d'abord, je ne m'entends pas avec son frère. Et de deux, on n'était pas... Voilà. Ça, là, c'est un loup béret. Hein. Et de deux, on n'était pas pressé que les gens le sachent. On voulait d'abord que notre union soit... consommée. Soit un peu solide quand même. Tu vois? Donc, ça fait quand même un petit moment qu'on se fréquente. On s'est connus grâce au grand frère Al-Mustapha. Et qui a dragué qui? On ne sait plus. Voilà, on s'est vu, on s'est vu chez le grand frère Al-Mustapha, il y a un bon bout de temps. Et quand je l'ai vu, sincèrement, elle ne ressemblait pas à la dame que je voyais sur Facebook. Parce qu'il faut savoir qu'elle et moi, on ne se connaissait pas. D'accord. Avant notre relation, on ne se connaissait pas. Et quand on s'est vu, quand j'ai vu le visage, quand j'ai vu le bon sein, quand j'ai vu les lèvres, j'ai dit, mais waouh, quelle est cette déesse? Et elle m'a regardé, elle me dit, mais tu, est-ce que tu es mignon quand même, hein? J'espère que tu ne l'as pas chanté la chanson, j'y vais têter. Non, je n'ai pas chanté, j'y vais têter. Ça, c'est après. Que je lui ai chanté, j'y vais têter. Elle m'a dit, mais ah, c'est toi qui chantes ça. Je dis, oui, c'est moi, j'ai fait un featuring avec un de mes gars et tout. Elle m'a dit, j'adore cette chanson. Et on a commencé à blaguer, parler. Puis c'est parti comme ça, un peu. Et puis bon, voilà. Mais est-ce que... comme Yaka nous a dit, tu sais nous, si, le Béret là. Bon, Yaka, ah, c'est quand même... bon, il a même parlé de toi, hein, ah bon? Quand il a vu ta photo avec Lolo Bout et trucs, ils ont fait des vidéos. Tout le monde parle de moi, ça fait justement. Le buzz. Okay. C'est un buzz, c'est le couple de l'année 2023, bon. C'est Tiësco et Lolo. Et ça, c'est pas pour deux jours, trois jours. Tous ceux qui parlent de buzz, vous allez éteindre la télé vers la fin. Parce que cette télé va rester allumée très longtemps. On a vu Vital ici, ça n'a rien à voir. Ça, ça n'a rien à voir. Nous, on est... Lolo et moi, d'abord, nous sommes un couple de pingis. Bon, ah, vous êtes un couple de pingis fusionnels. Fusionnel. On n'est pas dans les buzz. Non. Là, c'est du réel. C'est un vrai buzz, mais réel. Est-ce que tu as aimé chez elle en tant que femme? Ce qui m'a plu quand je l'ai vue, c'est le bon sein. Non, avant même le bon sein qui est très bon, mais le visage, les lèvres, le teint. Non, bébé, tu tchas. Bisous encore. Ouais, c'est fort et toi. On a fait une émission il n'y a pas longtemps, elle et moi, où on nous a demandé mais pourquoi tu l'affiches, pourquoi elle t'affiche. Mais parce que on est deux célébrités. D'accord. Les autres relations, moi, les mères de mes enfants n'étaient pas des célébrités. Elles, ses autres relations n'étaient pas des célébrités comme Tiësco le Sultan. C'est la première fois qu'elle sort avec une star, avec un artiste confirmé, déjà connu. Il ne sort pas avec elle pour la visibilité, il ne sort pas avec elle pour l'argent parce que le petit BT se débrouille très très bien. Donc, on est déjà... C'est-à-dire, chacun est bien dans son domaine. C'est sa notoriété, quoi. Si. Attends, je viens, je vais pas confiner cette affaire-là. Oui. On t'a reçu ici, Tiësco, il n'y a pas très longtemps pour une émission dans Fafa. Mais on t'a demandé une question, tu dis oui, qu'en ce moment, tu es dans une relation. Effectivement. Et la relation était derrière la caméra. Effectivement. Non, tu peux le dire, elle était là. Je sortais avec une jeune demoiselle. Voilà, elle était derrière la caméra. Mais ça fait combien de temps? Mais oui, mais... Si tu as bonne mémoire, vieux. Ça fait quand même un peu... Ça fait un bon bout de temps. Lolo et moi, je ne vais pas vous dire la date, mais on est à peu près un peu plus de 3 mois, Lolo et moi. Donc, tu me parles d'une histoire qui date d'un an. Toi, moi, elle est ta femme déjà. Mais ici, en Afrique, quand tu as le respect pour la fille avec qui tu sors, il faut déjà la considérer comme ta femme. C'est le respect. Je ne vais pas... Bon... Quoique je suis insultant, je peux avoir plusieurs femmes parce qu'en même temps je suis musulman. Ouais. Mais pour l'instant, je suis musulman. Oui, je suis musulman. Pour l'instant, je suis avec Lolo. Ah, ça, on ne savait pas, tu es musulman? Ah oui, j'avais dit ça une fois ici. Né musulman ou converti? Non, converti. Et quelles sont les raisons qui t'ont poussé à te convertir? Ah, il n'y a pas de raison, c'est Dieu qui décide. Quand tu te sens mieux, tu sais, pour moi, Dieu, c'est le même.
Maintenant, c'est les pratiques qui changent. Mm-hmm. Les pratiques religieuses musulmanes me conviennent mieux. Mais t'as un tatouage, je crois, de Jésus là. Oui, ça, c'était mon passé. Après, je ne peux pas les enlever, tu vois. C'était mon passé. Mais avant, je portais des boucles d'oreilles avec des croix de Jésus et j'ai enlevé. Mais il faut savoir que dans la religion musulmane, Jésus n'est pas une mauvaise chose. Non, non, Jésus est quelqu'un de très respecté chez les musulmans. Donc, ça ne dérange pas. Maintenant, ouais, elle est là, elle est là. Lolo Beauté, on va revenir à ça. Oui, mon amour. Cette mon... relation. Oh, putain, quand je pense à elle comme ça. Cette pseudo-relation. Des premiers janvier. Non, 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 je ne te permets pas. Non, non, c'est ce que je te dis, ça me laisse dubitative. C'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie. C'est une pseudo-relation parce que tant que je n'ai pas les preuves. Hein? Les preuves sont déjà sur les réseaux sociaux. Non, les preuves sont déjà sur les réseaux sociaux. Moi, je peux faire preuve. Je suis là, toi, tu es un peu dubitatif. Très dubitatif. Bon, c'est quoi qui. Qu'est-ce que tu appelles preuve? Qu'est-ce que tu aimerais comme preuve? Parce que bon, attends, c'est pas le fait d'aller se béco devant la caméra qui prouve qu'on est en couple. Comment on a béco vital ici? Après, on a appris qu'ils ont joué notre esprit. Côté âge. Tu es plus âgé ou Lolo est plus âgé? Tu connais, l'amour n'a pas d'âge, donc on ne parle pas d'âge. Non, c'est une question que je demande. Je demande juste qui est plus âgé. On n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. On sait que l'amour n'a pas d'âge, mais tu es son petit frère ou bien tu es son grand frère? Je suis son amoureux. Son amour, non. L'amour est-ce de sa vie. C'est pas ta gnaille. Non, c'est ça. Non. Elle est plus âgée. Je pense qu'elle est plus âgée que lui. Tu vas nous dire, est-ce qu'on va laisser l'amour ça? L'amour n'a pas d'âge. Tu n'as pas l'air d'un moment. Donc quand tu flamponnes tes vieilles mémoires. On dit, il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Oui, oui, on sait qu'il y a Dieu. Il y a Dieu dedans aussi. Donc quand tu flamponnes tes vieilles mémoires. Elle peut jamais être ma gnaille. Lolo, c'est une jeune fille. Elle est juteuse. Quand tu la vois, non, elle est fraîche. Elle est belle. Elle est encore plus fraîche que les petites des 18 ans qui tournent la bouche à droite. Elle est lèvre, vraiment. Tu sais que c'est ce que tu fais, les ça énerve le général quand même. Mamma mia. C'est ce que tu parles comme ça, c'est ça. Je ne peux pas empêcher quelqu'un d'être contre mon amour. Je ne peux pas empêcher quelqu'un d'être énervé de mon amour. Donc que ça soit Makoso, que ça soit qui que ce soit, chacun prend ça comme il veut. Tant que je suis heureux avec ma femme, ça me va. Est-ce que le général te reproche finalement? Pourquoi il te déteste? Oui. Une raison? Ça c'est dans sa tête, c'est à lui que vous devez poser cette question. Mais comme c'est toi qui nous a dit qu'il te déteste. Le général, en tout cas pour moi, parce que moi je ne peux pas savoir ce que lui pense. Mais moi j'ai l'impression, moi qui ai côtoyé ce monsieur et j'ai parlé avec lui plusieurs fois, le monsieur aimerait que je me rallie à sa cause. C'est-à-dire que je sois son bon petit. Attends, moi je ne suis pas bon petit de quelqu'un. Je suis moi-même mon propre bon petit. Il t'a dit ça et j'aimerais le respect. Voilà. Il t'a dit ça comme ça. Bah, il faut être mon bon petit. Non, il ne m'a pas dit ça comme ça, mais c'est ce qu'il m'a fait savoir. Mm-hmm. Il m'a dit, ah, vraiment, toi, tu es un petit que j'aime beaucoup. D'accord. Mais tu ne veux pas faire bas la terre ou je ne sais pas quoi. Il m'a dit ça dans un thème comme ça que j'ai oublié. Et en gros, quand je vois notre relation, et lui, je vois que c'est un leader, c'est quelqu'un qui est possessif, et tous les gens qui sont avec lui doivent être un peu en dessous de lui. Ah. Et moi, ça ne marche pas avec moi. Moi, je suis un leader, soit tu es mon pote, soit tu es mon vieux père, on se respecte, ça se limite là. Mais il n'y a pas d'association de leader. Il t'a dit ça avant que tu ne sors avec sa sœur ou après? Comment? T'as dit ça avant que tu sortes avec sa soeur ou après? Mais bien avant, mais moi, lui, je le connais, ça fait un moment, sa soeur, je ne la connaissais pas. Mais maintenant que tu framponnes sa soeur. Non, n'utilise pas ces termes. Mais tu la framponnes. Non. Dis maintenant que tu sors avec sa soeur. Maintenant que vous êtes ensemble. Selon toi. Donc maintenant que vous faites là, le général dit quoi? C'est l'amour de ma vie, s'il te plaît. Parle un peu avec respect de cette dame-là, c'est une grande dame. Mais on aime bien Lolo. C'est une belle femme d'ailleurs. Maintenant que vous faites ce que les hommes font, les femmes, les garçons font. Maintenant que vous sortez ensemble, maintenant que vous êtes mari et femme, oui. Maintenant que mari vous et femme. Hein? Bon, maintenant qu'aujourd'hui vous sortez ensemble, donc je suppose que Lolo n'est plus mariée, vu que maintenant elle sort avec moi. Évidemment. Elle peut pas être mariée et sortir avec moi. Pourquoi? Ça peut se faire? On a déjà vu ça. Non. Parce qu'on n'a jamais vu. Pas chez moi. Chez les gringos, on ne fait pas ça. Chez moi, je peux peut-être être marié et prendre plusieurs femmes. Mais Lolo ne peut pas être mariée et prendre un homme. D'abord, elle n'est pas encore musulmane. Et de deux, comptes la convertir? Pourquoi pas? Machallah, si Dieu veut. Ok. Mais je ne peux pas la forcer aussi à changer de religion. C'est clair? Quand aujourd'hui tu vois tous ces commentaires, parce que tu ne me diras pas que tu ne vois pas le nombre de commentaires, les gens qui se plaignent de toi, qui disent mais Tiesco, il est toujours dans le faux buzz, Tiesco matin, midi, soir, on le voit, il est tellement, il veut buzz, parce que ça s'écrit, ça se lit. Qu'est-ce que toi tu as à leur dire? Ce que j'ai à leur dire, c'est que je suis l'artiste ivoirien le plus productif. Je sors un son par mois, si ce n'est deux.
J'ai sorti le tube qui s'appelle « Je veux t'aider » en featuring avec mon frère Jimmy Hart. Je l'ai fait venir du Togo. Cette chanson-là, en moins d'un mois, fait le tour du monde. Mais Jimmy Hart avait déjà sorti la chanson. Non, il n'avait pas encore sorti la chanson. D'accord. Il avait juste sorti une petite vidéo. Ah, ok, d'accord. Qui a fait TikTok et tout ça. Qui a bien marché sur TikTok. Et là, vous avez fait la chanson. Officiellement, c'est avec moi, on a fait la chanson ici en Côte d'Ivoire. D'accord, et on a fait le clip ici en Côte d'Ivoire. Ah, okay. Et c'est sorti en exclusivité sur Ivoire TV Musique. Non, j'ai vu. Toujours chez nous, hein. Voilà. Et en dehors de ça, Tiësco fait sortir des sons tout le temps. Mm-hmm. Tu comprends? Donc, les gens qui disent que Tiësco fait du buzz, parce qu'ils ne me suivent pas sur mes réseaux sociaux. Ceux qui me suivent savent que Tiësco fait la promotion de sa musique. Mais les réseaux sociaux ne partagent que ce qui les arrange. Mm-hmm. Parce que c'est eux qui cherchent le buzz. Donc, quelqu'un qui n'est pas abonné à moi, il va croire que Tiësco ne fait que du buzz parce qu'il voit Tiësco tous les 2, 3, 4, un mois sur telle page. Tiësco est en train de faire ci, ça, ça. Alors qu'en réalité, Tiësco travaille. J'ai sorti, il y a Dieu dedans, il n'y a même pas un mois. Mm-hmm. Et là, je viens de sortir encore un nouveau son avec Pancho. Mm-hmm. Ça fait même pas un mois. Bon, quand tu parles de buzz, mais pourquoi est-ce que c'est ce que tu fais de ta vie qui intéresse les gens plus que, au lieu de partager ta musique, eux, ils partagent les trucs de buzz. Les buzz. Quand tu dis les gens, dis non, d'autres, les médias, personnes, les médias, les petits médias. Ouais, les médias sociaux. Pas les gros télés, voilà. Uh-huh. Les médias sociaux. Oui, pourquoi eux ils font ça? Pourquoi? Les médias sociaux font ça parce que chacun est à la quête de visibilité. Ok. Tu comprends? Mmh. Et pour eux, ce sont les frasques de Tiësco qui leur donnent la visibilité. Mmh. Sinon, je leur propose mes clips, je leur propose mes sons. Mmh. Je fais plus de 80 000, 100 000, 200 000 vues sur mes clips, sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, sur mon Instagram, etc. Mais eux, ils se disent que quand ils vont mettre ça, il n'y aura peut-être pas cette visibilité que eux, ils cherchent. C'est plutôt ta vie privée qui intéresse. Non, c'est pas que ça ne va pas intéresser les gens. Je vous parle de visibilité. Oui, mais sur leur page, ils sont en face des pages thématiques où c'est plus pour le buzz et plus pour, comment on appelle, des choses. Parce que c'est des chaînes, c'est des pages relais de buzz. Mais justement. La plupart de ces pages-là sont des pages de buzz. Voilà. Ce n'est pas des pages musicales en tant que telles. Donc, eux, ils cherchent ce qui va faire du bruit. C'est tout. D'accord. Mais moi, je donc j'invite tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, à s'abonner à mes réseaux sociaux. Tiësco le Sultan. Ma photo, elle est en rouge. Je suis tout mignon, bien chic. Donc abonnez-vous si vous voulez avoir de mes nouvelles. Parce que si vous avez de mes nouvelles via d'autres réseaux sociaux, vous aurez que des buzz soi-disant. Voilà. Et après, ma vie tourne en buzz parce que je suis un artiste connu. Mais en réalité, mon but, c'est de vivre de ma musique. C'est pas de vivre du buzz, puisque de buzz, on n'en vit pas. Mais moi, je veux savoir, il y a un truc que je veux comprendre, Tiësco. Pendant un moment, on te voyait beaucoup tourner avec le roi 12-12. Oui. Hein, voilà. Certains disaient que oui, vous le suivez, vous faites de la mendicité et tout ça. Quelles sont tes vraies relations avec le roi 12-12? Le roi 12-12, c'est une connaissance. Mm-hmm. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'apprécie. Et ça s'arrête là. Quand tu apprécies quelqu'un et qui vient dans ton pays, eh ben c'est la moindre chose que tu restes avec cette personne. Il t'a déjà donné de l'argent, non? Bien sûr qu'il m'a déjà donné de l'argent. Pas grand-chose, mais j'espère il m'a que donné tu, le... tu l'as pas rampé devant lui aussi, comme le père d'Aloua, parce que lui, c'est un rampeur professionnel. Mais chacun fait ce qu'il arrange pour subvenir à ses besoins. Moi, j'ai pas besoin de ramper. Si le roi 12-12, avant de partir, dit « Ah, mon petit, tiens, 500 000, tu vas mettre ça sur toi », je prends parce qu'on ne refuse pas l'argent. Mais je ne suis pas le roi 12-12 pour de l'argent. Bon, mais là, et là, je ne rampe pas et je ne mendie pas. Mais là, normalement, mais si le père d'Aloua a envie de mendier, mais c'est son problème. Mais peut-être que c'est ça qui l'arrange. Bon, tu as un featuring avec Pancho Le Gâter. J'ai fait un featuring avec Pancho Le Gâter. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas chanté. Oui, et il a fait un petit clip sur Internet qui m'a attend. Voilà. Autant de couper décaler, il y a super longtemps. Pancho est concentré dans ses vidéos. Dans ses vidéos, voilà tout. Voilà. Il est plus acteur. Pancho Le Gâter, en parlant du roi 12-12, on l'a vu un peu ramper aussi dans une des vidéos. Et récemment, on voit Pancho, quand le père d'Aloua allait ramper au palais de la culture devant le gouverneur Begley Mambé, Pancho a fait une sortie sur le père d'Aloua pour l'interpeller, pour dire non, que tu bafoues ta dignité. Moi, je suis là. Non, je suis là. Voilà. Voilà. Mais qui l'a fait rentrer? D'abord, j'ai profité de l'occasion de saluer. Attends. Ouais, hein? Je vais saluer déjà mes fans. Demain, ils vont t'éviter. Non, calme-toi. Mais tu n'étais pas venu ici, là. Il n'allait pas entendre ça. On a des palais de les gens là. Moi-même, je suis là, grand frère. Bon, donc, avouez une chaise pour moi, mais Pancho. C'est la manière de manger pour des gens ça. Non, ça là. Bon, c'est non, ça, mais moi, je te respecte. Bon, ok, mais faut t'asseoir. Voilà, je te respecte. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Vous avez une équipe de rampeurs et toi, tu laisses. Non, mais attends, non. Il y a des choses que moi, je n'aime pas. Non, mais Tiësco. Moi, je suis venu juste avec le père.
Et c'est comme ça que je suis rentré en temps. Mais on dit que tu m'as vu ramper. Demain, tu as fait mission. Non, laisse-moi finir mon émission. Tu m'as vu ramper où? Bon. Où tu m'as vu ramper? Un jour, on a vu une vidéo sur Snap où. Tu dis, mais il y a un bondi par contre. Hey, ah, oui, c'est vrai, là, le vaisseau. Là, il est André Petit. Non, c'est un acteur. Et puis, le truc, c'est qu'il lui-même, là. Comédie, en fait, Père Dalloy même a rampé. Mais quand tu as sorti ses dents, il voulait mordre le monsieur. Ok, non, donc je peux t'expliquer. Non, mais pas tu, il y a quelques personnes, on a vu une vidéo. Non, mais lui, il peut t'expliquer pourquoi il a fait ça. Vous faites le même travail et tu t'as fait. Non, il ne fait pas le travail de moi, il ne fait pas le travail de moi. Moi, je ne suis pas un monstre. Ce qui me fait mal là, pourquoi tu allais faire vidéo contre Père Dalloy parce qu'il allait ramper devant Begré Mambé? Ça, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ok, maintenant, je t'explique. Pour grand calme, toi, t'expliquer. Dis-moi. Je confirme. Aujourd'hui, je confirme. J'ai fait la vidéo. Voilà. Pour dire au Père Dalloy que chacun est acteur dans son mouvement. Mais lui, la façon dont lui fait là, c'est index un peu vraiment nous, notre boulot. Par rapport à quoi? Non, il faut te calmer. Je ne suis pas encore venu vers toi. Moi, je vais vers toi. Ah, tu viens vers moi? Oui, oui. Ok. Par rapport à quoi, non? Ok. Depuis toi, tu me connais là. Tu m'as déjà vu à la mosquée. Pour voilà. Là, il t'a posé une question. Depuis que tu me connais, tu m'as déjà vu mes pots devant une mosquée. En train d'attendre que quelqu'un vienne me donner de l'argent. Tu m'as déjà vu coucher devant une personnalité qu'on connaît tous au pays ici. Tu m'as déjà vu coucher. Moi, je fais du marketing business avancement. Mais là, je parle pas les gens. Hein. Mais ton marketing business avancement, c'est pas ça que tu allais faire bravado pour vous voler du monsieur là. Faites pas pour que tu mettes tout dans les mouvements pour non, il est tout dans les faux trucs. Non, 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 Dieu non, non. Le vieux père, peut-être, il a mal pour moi. Monsieur, il est fait quoi là pour ok. Non, Dieu, il faut bien m'expliquer. Ben, il est fait le soin lui, il faut pas ça. Non, Jesco, moi, mon travail n'a rien à voir là. Tu dis que tu es voleur. Je suis un acteur. C'est maintenant que je suis en train de faire ce c'est maintenant que je suis en train de venir dans la musique avec toi. Laisse. Donc tu es en train de revenir. Voilà, je suis en train de revenir. Là, tu es en train de parler l'argent. Non, on dirait que le vieux père, il se trompe. Celui qui vole l'argent, c'est celui qu'on humilie, c'est celui qu'on frappe dans les rien. Non, t'as jamais dit Dieu. Moi, depuis que tu me connais, il y a quelqu'un qui m'a humilié pour de l'argent. Je me rappelle pas. Voilà, on a fait un mouvement. Voilà, on a développé un mouvement. Moi, Bravado. Et là, tu vois, ils ont remis une somme à Bravado parce qu'on était 15, on devait aller au Canada. Et Bravado m'a remis 7 millions de faire les papiers de ceux qui sont là. Moi, je dis à Bravado que toi, tu sais que moi, je suis pas un mauvais des papiers. Des c'est toi qui travaille à l'ambassade. Voilà, c'est ce qu'il a dit, si vous avez regardé. Et c'est comme ça, moi, j'ai mis le geste. J'ai mis le geste, moi. Comme associé d'ambassadeur. Voilà. C'est pas le fils de Makoso. Non, faut pas vous donner un mélange ici. Il faut expliquer. Makoso, c'est mon père. Voilà. Mais c'est à cause de dire c'est ton fils. Lui a développé la mamaille. Moi, je développe le marketing business avancement. Est-ce qu'on se comprend? Non, il y a un truc qui. Non, non, c'est pas la même chose. Lui, c'est la mamaille. Non, c'est compliqué. Moi, c'est le développement marketing business avancement. Bon, explique-toi. T'as besoin de moi, j'ai besoin de toi, toi et moi. Il sait qu'il peut gagner quelque chose, toi. Tu peux gagner quelque chose, moi. On est dans le même pour devenir ambassadeur, tu es prêt? Faut expliquer avec les 7 millions là. 7 millions là, faut expliquer. Non, toi, tu ne m'as pas donné là. Il ne peut pas parler de 7. Je suis venu ici pour dire ça. Tu as fait quoi, le Jay? Non mais ça c'est ma vie à moi. Non. Bravado, dit que toi tu as volé le jet, tu as lapé les 7 millions. Il s'est mal exprimé. Faut regarder la caméra et puis il s'est mal exprimé. L'argent est passé où? L'argent. Oui. Ce qu'il m'a dit de faire là, c'est ce qu'il a fait. Tu as fait papier là. Tu as fait papier les gens. Il a pris les gens, ils sont allés faire passeport eux là-bas, à Makori. Ils ont reçu leur passeport. Maintenant c'est 10 ans qu'il n'est pas pu faire. Bah ils ne maîtrisent pas. Maintenant le reste des 7 millions là où ça est? Il a vécu. Il a fait les papiers. Il a fait les passeports. Des 15 personnes. Tu as réparé ta voiture aussi, non? Mais c'est normal, Chesco. Non, Chesco, c'est normal. On ne peut pas me donner là et puis moi, ma voiture est gâtée. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'elle est volée. Chola. Ça ne veut pas dire qu'elle est volée. Il dit, attends, Pancho. Chola qui cherchait preuve de moi, mon amour. Là. Voilà Pancho qui est là, il faut lui demander. Lui, là, il est loin de bon, tout. Ok, parce que là, tous les gens, seulement vous deux, vous marchez pour quoi? Voilà. Est-ce que la fête de nos beautés et puis Chesco le sultan, c'est sérieux? Bon, maintenant, moi, je te dis que c'est vraiment très sérieux. Voilà. Tu as dit quoi d'autre? Maintenant, toi, tu veux quoi? C'est ton gars. Non, maintenant, toi, tu dis que le gars parlait, maintenant, tu dis que tu as dit quoi? Toi, tu te comprends. Je, toi, tu veux te cacher dans les chapes en train de fraponner. Si je fais, je vais faire. Toi, tu veux les regarder comme André, j'ai envie de te dire. C'est ça même. C'est son mousseau, jazz même. Comment jazz? Oui, ils se sont bégonnés. C'est tout. Mais toi, tu veux qu'il en a fait comment? C'est tout. Mais toi, tu veux. Combien de temps ton mousseau? Yeah!
Pardon, parlez de la carrière de Tchesko. Non, 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 je te demande. Non, t'as pas tout le problème. Parce que toi, apparemment, même, et puis on dirait que tu es un peu international. Non, ouais, c'est un pays comme tout d'autres, mais moi je suis allé visiter. Tu as un lien. C'est notre meilleur pays après la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. Pancho, quand tu te caches là, tu vois les gens te voient. Parce qu'on voit ton dos, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis vous bon, on va parler, parlons mieux. Toi, tu n'as pas les plans là-bas chez Coco Emilia en gros. Coco Emilia, c'est ma vie. Mais toi, tu es un père spirituel. Je ne suis pas mendiant. Je ne suis pas mendiant. Tu veux qu'on parle? Oui, mais tu as frappé non. Frappé non. Oui, il faut parler. Pancho, il ne rampe pas comme ça physiquement, mais c'est un rampeur spirituel. Non. Pourquoi? Il rampe dans l'esprit. Non, je ne suis pas d'accord. On est des artistes, on est des stars. Si des gens nous font des cadeaux, est-ce que ça veut dire qu'on rampe? Moi, monsieur, allez au Cameroun. Non, Tchesko, calme-toi. Il a de l'argent. Tchesko, calme-toi. Non, Tchesko, si toi, tu prends l'argent. Sois la même qui est là. Tu prends l'argent couché. Toi, tu as pu arrêter. Mais c'est pas demandé si tu m'as vu ramper. Toi, tu as pris la haie, tu veux prendre la haie tes dents? Ou bien? Dents? Oui. Non. C'est quand tu as pris le roi 12-12 là. Ça, c'était dans mon limou pour faire rire le papa tchè. Oh, laisse ça. C'est pourquoi il a sauté. Voilà, moi, il ne rampe pas. Maintenant, toi, chaud là. Mais ça, c'est le comportement du bouffon. Non, maintenant, toi, chaud là. On dit, c'est le comportement du bouffon du roi. Ah! Oui, c'est le bouffon. Je suis le bouffon. Dieu m'a donné l'occasion de marcher avec un milliardaire, pas avec un blessé qui se cherche pas. Donc, si je suis le bouffon, c'est bon. Et puis toi tu bondis. Pourquoi ça fait mal? Le pédalois, tu n'as pas de dignité. Pourtant, vous faites le même mal. Tu fais surveiller nos pays. Au lieu d'être pédalois. Pourtant, c'est ton collègue en esprit. Non, c'est pas mon collègue. Mais... Si, c'est ton collègue. C'est ton collègue. Moi et pédalois, nous ne sommes pas des collègues de mendiants. Nous sommes des collègues d'un game qu'on a développé, que la Côte d'Ivoire vraiment aime ça. Maintenant, c'est la mendicité. C'est pas la mendicité. Lui, peut-être, il était dans un rôle où, tu sais pourquoi moi je fais la vidéo, qui pense un peu à ses enfants parce que tu vois, en plein spectacle comme ça, tu te couches comme ça. Places. Et puis tout le monde, tu vois ta vidéo, tu le penses. Moi, c'est un grand frère que moi, il respecte. Non, c'est pourquoi moi, il fait ça. Sinon, moi, il n'y a rien contre le père d'Alois. Tu ne pourrais pas l'appeler plus si ça. Non, moi, je suis d'accord. Donc, toi, tu es d'accord. Moi, je suis d'accord parce que le père d'Alois, je le connais personnellement. Et je sais que tout ce qu'il fait, c'est un esprit. Voilà. Oui, ça, il se cherche comme il peut. Oui, il se cherche. S'il veut même, là, il peut aller débrancher le président. C'est ce que je lui ai dit. Est-ce qu'il y a manière de se chercher? Non. Il y a manière, pas manière de se chercher. Pourquoi ça, tu ne te déshabilles pas aussi? Non, mais parce que chacun. Tu dis, tu parles de manière, non. Non, chacun. Moi, je ne veux pas que mon grand frère se comporte comme ça. Écoute-moi, parce que moi, je cherche sa carrière. Chacun développe son mouvement. Comme lui semble. Tu es son manager. Mais la manière. Mais ils sont tout. Mais la manière dont tu as joué les nous-ci, la dernière fois, les nous-ci n'ont pas failli grouper sur toi. Ils étaient venus comme. Yeah! Voilà, papa! Tant que les abats disent, arrêtez. Tu sais pas, tu es un. Je suis un nous. Non! Grand frère, je suis un nous-ci. Chacun développe son mouvement. Et quand les gens ont vu le photo à moi, et que dans mes fans, je sais que non, il y a les Morocs qui sont venus peut-être me voler, moi, j'applique maintenant la parole de la sagesse. Vous dites que vous n'avez pas. Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de faire tout, monter sur ma voiture, casser, tu vois, non? Donc c'est dans ça, il fuit. Je suis pas un pas. Okay. Mais pas de ça, ça fait deux fois. Parce que moi, j'étais vu au Carrefour de la Palmeraie. Tu t'es fait parler les petits trucs à Jocelyne. Tu te rappelles de ça, non? Oui. Un midi, j'ai passé ma voiture, j'étais vu à distance. Non, mais c'est moi qui t'ai salué. Oui, mais toi, pourquoi tu te bats partout dans la rue comme parce ça? Parce que les bon, les petits ils savent comment on fait pour gagner, non? Est-ce qu'ils savent comment toi, tu t'en voles même après? Non, ils ne me volent pas. Sur la droite, il y a un souci à moi. Moi, je n'ai pas de souci à moi. T'as un souci à moi. C'est ce que j'ai vu. Parce que tout le monde est venu vous. En fait, il y a mal fait de venir vous saluer. Pourquoi est-ce que le grand frère, vous deux, vous voulez qu'on aura parlé? On n'a pas parlé. Parlons. Toi, Coco Vico, il t'a donné 50 000, non? Faut répondre là-bas, il t'a donné 50 000. Quoi le rapport? Oui, c'est le rapport de la mendicité là, c'est ça. C'est... Mais est-ce que c'est elle qui est là-bas de mendicité? Si elle s'est n'avait pas prendre. T'es sûr? Alors. Et puis elle n'a pas rampé. Et puis elle n'est même pas rampé, c'est ça, le cabri me connaît. Oui, c'est pas ta soeur. Donc, toi, le diable, t'as donné 20 000, non?
Rosemary Giroud. Mais il est prié pour toi même le jour là. Mais là, pourquoi tu viens dire autant que moi, c'est un rappel? Donc, quand tu es là, demandé maintenant. Ah, mais est-ce que c'est où tu es quitté là? Non, c'est pas. Toi, tu sais où on quitte pour avoir l'argent. Mais non, je te demande, tu sais où on quitte pour avoir l'argent. C'est quand il y a une vidéo que tu as bondi là, mais l'argent, c'est l'argent. Peu importe où, si le prince t'a donné, tu as pris. Tu es mendiant. Non, jamais. Ça n'a rien à voir. Vous devez être mendiant. Jamais. Mendiant. Mendiant de marketing business. Agencement. Le père d'avoir raison. Voilà. L'argent, c'est l'argent. L'argent, c'est l'argent. Donc, pourquoi tu allais faire vidéo conduite alors? Non, vous ne me comprenez pas. Moi, j'ai fait une vidéo par rapport à son image, par rapport à sa personnalité. Parce que Daloa, c'est son image là qui lui donne son argent. Ah, non, mais son image, elle n'a pas voulu les Ivoiriens. Parce que Daloa même, c'est une personnalité. C'est une personnalité. Pourquoi vous aimez encourager quelque chose qui n'est pas bien? Vous voulez l'enfoncer de ce qu'il fait? Non. Daloa, lui, une maison. Il a construit une maison. Mais pourquoi il aime dormir dehors? Donc, chaque jour, lui, doit dormir. Non. Mais c'est ça, moi, je ne veux pas pour moi. Non. Ce qui s'est passé au palais avec Daloa, c'était un malentendu. Comment? Et quand ils ont fini là, c'est là qu'il allait se coucher à terre pour montrer aux gens qu'ils se sont mal comportés lui. Sinon, à la base, il n'est pas allé se coucher pour mendier. Il allait dans un moment où il allait rendre grand. C'est coucher la vérité. Non. Et c'est après qu'il est parti se coucher. Toi, quand tu finis de parler comme ça, est-ce que tu regardes les commentaires? Mais est-ce que tu regardes les différents pays qui nous regardent? Est-ce que l'Ivoirien a déjà fait bon commentaire? Arrêtez ça aussi. C'est nous-mêmes, on se rabaisse. Sinon, si l'Ivoirien voulait comprendre le fond de l'histoire de Daloa, ils lui ont mis une étiquette que tout ce que lui va faire, on va dire qu'il est en train de mendier. Le monsieur n'est pas allé mendier. Il allait soutenir son vieux père. De la manière qu'ils l'ont pris comme un voleur, ils l'ont violenté là. C'est là qu'il allait se coucher pour dire, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, c'est ce qui m'a pas plu. De la manière dont ils l'ont tiré, tiré. C'est ce qui a fait que moi, j'ai fait une défendre. C'est lui qui a permis ça, c'est pourquoi on le titre. Ils l'ont tripoté comment? Ils l'ont pas tripoté. Ils l'ont jeté son corps. Non, faut pas confondre les mots. Tripoter quelqu'un là, c'est pas ce qu'on lui a fait. Tu n'as pas connexion. Tu sais ce qu'on appelle tripoter? Tu n'as pas connexion. Tu sais ce qu'on appelle tripoter? Tripoter la sexy, elle commence à le toucher, elle est de le tripoter. Quand tu l'as violenté, pas de la tripoter. Tripoter pour moi. Mais toi tu fais. C'est-à-dire que, bref, elle fait comme si on est venu ici. Là, moi je suis pas venu pour faire une mission, mais il faut lui dire que c'est pas elle qui paye mes coups. Moi, c'est trop dangereux d'en faire des français là. Moi, c'est un petit bité tout là. Et tu vois, elle peut jamais me tromper dans mon intime. Donc, elle n'a qu'à arrêter de parler. Mais faut pas dire qu'ils ont tripoté le père de loi. Vous m'avez invité, il est venu dire un petit truc, vous voulez insister sur lui, laissez-le tranquille. Bon, tu sais ce qu'on va continuer l'émission avec toi, je pense. Dès qu'il vous donne l'argent, vous le traitez de mendiant. On ne l'a pas demandé. C'est lui qui a acheté, j'étais à cause de vieux des gens, c'est le meilleur. Si elle savait que c'est quand même, il avait pris ses temps là, il n'est même pas. Pancho n'est pas un mendiant, Pancho c'est un comédien confirmé. Voilà, taille là maintenant, il y a comme il s'en va maintenant, pour m'énerver. Il y en a qu'à venir, on doit parler de notre nouveau son d'affaire là. Il n'a qu'à venir. Si il vient là-bas, il n'a qu'à se calmer, il faut le canaliser. Il est calme, il a bu l'eau, tout ça. Pancho, je pense que viens. Tu as bu l'eau, hein, Pancho. C'est qu'on a sorti un nouveau morceau qui mousse avec la. Mais on va parler de votre carrière. Bon, parlez de votre carrière. Vous l'avez invité ici, là. Bon, parlez de votre carrière. Faites futur un Tiesco, le son mousse.
C'est quoi le grand-père? C'est maintenant qu'on va demander l'amour. C'est maintenant qu'on va demander le titre. T'as l'amour. Moi, t'as l'amour. T'as l'amour. Attends. Toi, tu me vois et c'est que t'as plus de salut. Toi, tu me vois, tu vas plus me saluer. C'est pas une histoire d'amour. Ah, mais prends l'âme de quelqu'un. Et puis, t'as vu passer à la télévision pour dire que non, vous êtes des bandes de mendiants. C'est bon. Pas de l'âme de mendiants. Pas de l'âme de mendiants. Comme on ne fait pas qu'on vous laisse bien. Moi, je m'appelle Poncho le Caté. Envoie-moi ça. C'est comme ça. Quand tu as parlé, moi, je vais te regarder. Voilà pourquoi elle veut son élu. Je vais lui donner son argent. Moi, je veux ça. Et puis, fais ce que tu as donné là. Donnez-moi ça. La télévision, elle est dans la télévision. Si c'est un casson, donnez-moi mon âme. Oui, donnez-moi mon âme maintenant. Donnez-moi mon âme. Mais pourquoi c'est voix, vous n'avez plus à faire un mendiant. On a développé un mouvement de marketing business. Elle dit, non, Gucci même est surpris. Ça vient de state. Mais comment on danse le même mot? Attends, c'est à Tiesco qui est amoureux. Hein. Nouvelle chanson, t'as l'amour descendu. Tiesco est amoureux. Mais attends, vous là, vous invitez les gens pour t'as l'amour. Remonter dans quoi? Dans quoi? Je comprends pas. Remonter comment? Ne fuyez pas dans la vie des gens. Oui. Ah. Où l'argent quitte là. Faut pas juger ça. Si y a une personne t'a donné là, prends, tu pries pour lui. Tu as vraiment là, c'est pourquoi il parle. Donc si la personne a pris là, c'est dans aussi, on va prier ça. Quand je te dis, je regarde la Côte d'Ivoire, si je savais que l'argent, tu avais prié, tu avais bondi, tes dents là. Tes copains qui te donnent là, tu sais où elles en aiment ça. Elles travaillent. Elles travaillent, moi, toi, tu bondis pour prendre la main. Ouais, bondis, c'est aussi un bar là. Il y a les mamans qui sauvent aussi non, à la piscine là-bas, non. Elles font quoi? Elles bondissent aussi, non. Chacun son bar là. Si Pancho t'a donné un million, tu es mort. Mais qu'est-ce que dans ce cas là, c'est où des faits, non? Pancho doit faire un pas dans votre cas où on bondit dedans. C'est pas ça. On dit qu'écoutez, t'as l'amour descend. Toi, tu me dis que c'est mentir. Toi, tu dis que non, mais t'as même mon âme. Non, elle va te donner. Toi, t'as même mon âme. Il a dit que juste tout les choses. Il regrette même d'avoir pris son âme. Dès que t'as pris mon âme, tu allais payer deux guides. Elle va te donner. Guide te manque dans ton placard là-bas. Mais c'est l'âme de mentir, de Pancho, t'attendais pour payer des guides. T'as fini ta sociologue de dire que remercie Dieu. Il a croisé Pancho, il était blessé, m'a donné ses amis. Dieu! T'as pas rentré, fait mission, t'as dit que non, c'est le groupe de bande de mentir dedans, ma copine. Toi, t'as jamais donné là. Mais je prends pas mes dents. Tu prends mes mains, je prends mes pattes. Tu te prends tes mollets, Pancho. Devalet, tu n'as pas lui poser une question là sur le nouveau son. Oui. C'est pas mieux. Non, c'est mieux. Vas-y, mets moi ça là. On ne serait pas de transpirer. Bon, ok, mais Pancho, comme tu transpires là, ton affaire de ton enfant qui est au Cameroun là, est-ce qu'on va pas continuer? On continue rien dans quelque chose. Mais pourquoi? Voilà. C'est mon enfant, tu as ton enfant, c'est moi, pas de lui. Non, mais pourquoi ton enfant, c'est enfant, c'est moi, pas de lui. Tu pourrais pas ton enfant en Côte d'Ivoire, c'est au Cameroun, tu allais faire. Tu vas le cacher. Mais c'est pas de ça. Et bien, c'est caché. En entendant tous tes enfants, ils ont même pas mes mains. Oui. Mais oui. Ah, ça que. Bon, voilà, c'est ça quoi. C'est ça, c'est quoi? Non. Poncho, c'est ça qui est quoi? Poncho, c'est ça qui est quoi? Poncho, c'est ça qui est quoi? J'ai pas fait un point avec toi. Bon, je dis. Eh oui. D'ailleurs, je n'ai pas les mains. On ne peut pas faire ensemble. Mais moi aussi, j'aime pas les femmes coûtes. Moi, je n'ai pas encore. Elles sont grand-grand. Oui, oui. Elles se connaissent pas. Elles se connaissent pas. Oui. Parlons de ta go qui est au Cameroun. Tu la connais où? Je la connais pas, j'ai eu les sons. Tu as eu les sons? Oui. C'est pourquoi tu as venu parler de ça? Je vais parler de ça. Et puis tu as quitté au Cameroun. C'est quitté au Cameroun, au Cameroun récemment. Oui. Quel bonbon. Quel bonbon. Mais ça te concerne. Ça te concerne. Il a lancé une personne camerounaise. Toi, tu es toujours dans les schémas. Quand tu en comprends. Non, c'est-à-dire que moi, si je veux bien comprendre, vous êtes là, c'est ma vie, vous fuyez. Mais à partir du moment où je n'ai pas de vie, c'est normal pour moi, je n'ai pas. Voilà Tiesco, on a trouvé quoi dans sa vie aussi. Mais ça c'est Tiesco, ça c'est pas nous. Il a une beauté. Lui, il a une beauté, moi je suis là. Moi je suis là. Oui, moi je suis là, moi j'ai des enfants, moi je suis là. Moi j'ai déclaré pour moi. Lui n'a pas déclaré. Attends, il va déclarer, vous allez prendre.
Non, mais c'est la troisième. Tu as combien d'enfants? Je n'ai pas fait, c'est elle. Mais pas de pourquoi tu transmets. Mais c'est elle, mais la question qu'elle me pose, tu n'entends pas ou bien vieux père. Mais est-ce que c'est la question? Non, mais tu n'entends pas. Tu vas me poser une question. Je suis une personnalité, tu me poses une question comment? Mais attends, on te demande, tu as combien d'enfants? C'est ta vie. C'est ta vie. Tu peux aussi en faire. C'est pas final. Beaucoup d'enfants de mères différents, tu peux pas répondre. Toi aussi, tu peux faire le père différent. Non, c'est pas de toi, c'est un gigant. C'est le même père. Mais bon, tu vois, tu vas pas te désordonner. Mais c'est intéressant. Alors, mais alors. C'est ma vie. Mais pourquoi tu fais ça désordonné? Puis tu es là encore parlé. Tu te fâches en même temps. Il me cache pas. Moi, tu te fâches quand on dit un peu trop. Non, mais c'est de ma vie privée. Pourquoi tu parles de ma vie? C'est ma camarade. Mais c'est sa vie. C'est ma vie. C'est sa vie. Comment tu peux réparer ma vie? Après, faut lui donner des conseils. Apparemment, là, dans les lots, tout à l'heure, quand tu venais dans le hall, là, on t'a vu une nouvelle camionnette. C'est une victime encore? Mais ça, la mère de ton enfant. Non, c'est un artiste. C'est un on a encore une fois ici, on n'a pas le droit de marcher avec les Camerounais, les Maliens. Donc moi quand je dis me voyez une Malienne, c'est victime. Non, moi je suis là pour faire les victimes. Non, c'est pas ce qu'on a dit, mais. Non, c'est un artiste. C'est Lova. Lova, Lova, c'est ma petite soeur chérie. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lova. Elle est artiste camerounaise. D'accord. Elle est venue te voir en Côte d'Ivoire bien. Elle est venue faire sa promo. Tu as payé son billet. Oui, oui. Elle est dans là. Elle est des. Mais qu'est-ce que pense la celle avec qui tu as eu un enfant au Cameroun? Elle pense quoi du fait que tu prennes une autre camionneuse venant en Côte d'Ivoire? Non, ça m'engage que moi. Toi, tout engage. Oui, tout m'engage, oui. Mais elle n'a rien à dire. C'est sa camarade, il a le droit d'avoir des enfants. Non, je suis prisonnier. Je ne suis pas prisonnier d'une femme ici en Côte d'Ivoire. Je voyage quand je peux. Je pense que c'est mieux. Et tout dernièrement, il a fini ma tournée à Monaco, je suis à Abidjan. Il va nous parler de l'autre. Il a dit Monaco, il n'est pas bien dans. Oui, Monaco. Monaco a fait quoi? Il est bien ici quitté là-bas, il n'y a même pas longtemps. Tu allais bondir là-bas? Tu allais enceinte là-bas encore? Non, il allait bondir. Si ça allait, mon travail me fait voyager. Ça, c'est vrai. Ouais, ça allait bondir. Ça va pas m'étonner. Alors, Tiesco. Maintenant, il faut attendre de parler. Foula que Tiesco. Foula que quand tu es attaché pour venir chez nous ici, ça répond à quel besoin? C'est mon style, t'en as pas ton style. Chef que tu as mis, on dirait que le lion attrape, fait sauter. Toi-même, le grelot que tu as mis, on dirait. Caniche de combat, si là. Qu'est-ce que tu as parlé? Je dis, non, papa, va te casser en tête. Non, ne faites pas que moi, vous parlez de la vie. Fafa. Mais allez, vous parlez de la sortie, c'est clair. Alors, qu'est-ce que le sultan, aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans le Fafa, nous avons reçu. Qu'est-ce que le sultan et Poncho le Gater, en ce moment. De retour, Poncho surtout, parce que Poncho, la dernière chanson que tu as sortie, je me souviens, on est allé en tournée même ensemble à l'intérieur du pays. Bah ouais. Ta chanson qui a été un tube, Kuitata, bah ouais. Un gros tube. Après, bon, bon. Tu après ça, il n'a plus moussé. Voilà. Pourtant, bah. Non, pourtant, il n'a rien sorti. Ça, ça m'a. Elle a un souci, moi. Si, il a sorti quelque chose après Kuitata. Non, ouais, si. Il a sorti quelque chose, ça n'a pas pris. Bien sûr, ça n'a pas pris, parce que bon, après. Il est plus occupé à bondir sur l'un des gestes que de rentrer en studio. Hey, bon, là, je pense que Tiesco, tu as ramené dans le studio. Ouais. Ça, je pense. Parce que je sais que Tiesco, pour sa passion et son amour pour la oui, musique, oui, là, moi, il s'est dit, bon, ok, moi, il faut voilà. Qu'il ramène son frère un peu. Comment voilà, tu arrives à mettre la main sur lui? Parce que Poncho peut te donner rendez-vous à 15h, ça va être très bien. Marche pas, nous. Si tu veux la voir, c'est ici, tu peux la voir. Je dis, comment tu arrives à mettre la main sur lui? C'est ma question. Bon, Poncho, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas facile à vivre, mais qui aime le respect, donc comme tout. Non, pas donner quoi aux gens, ils vont m'attaquer. Non, moi, je suis facile à vivre, c'est dans le sens où... Je ne suis pas facile à vivre, et puis on a ça. Quand tu peux vivre avec quelqu'un qui n'est pas facile à vivre... Il faut le laisser, il va s'exprimer, Poncho. Tu t'es venu, moi, il y a le moment, moi, il n'aime pas. Il y a le moment, moi, il n'aime pas. Donc, toi, tu es facile à vivre. Quand toi, tu t'es rien, tu es facile à vivre. Quand toi, tu t'es rien, faut pas me mettre dans quand toi, tu t'es rien, aussi, tu es facile à vivre. Quand toi, tu t'es rien, tu es facile à vivre. Quand toi, tu t'es rien, tu es facile à vivre. Il a dit toi, toi, tu es facile à vivre. Toi, tu n'es pas facile à vivre, mais tu acceptes comme ça. De toute façon, tu poses des questions, tu m'en parles bien. Il a dit. C'est pas les questions, pas les questions. C'est moi mon émission, c'est pas ton émission. Donc tu t'étais ou même t'es chassé. Non, pas c'est ton émission. Donne-moi un cas. Tu es en train de répondre. Mais c'est fini de parler. Faut bien répondre. Faut bien répondre. Il a dit Poncho n'est pas facile à vivre, mais néanmoins c'est quelqu'un qui respecte. Ok, c'est pas facile pour l'attraper, mais il respecte. Voilà, le laisser terminer. Qu'un grand frère, pas terminé, pas en tant qu'un grand frère, moi il me respecte. Quand on a des rendez-vous que je l'appelle, il vient. Quand je le sens un peu fatigué, moi-même je vais le chercher. Parce que lui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc quand c'est comme lui, ça. Les gens qui sont pas grands là, ils sont très voilà. Actifs. Quand il se repose, bon, c'est difficile pour qu'il se lève et tout, mais une fois qu'il est levé.
c'est une vraie pile, c'est une batterie. Il ne s'arrête plus. Et donc, sincèrement, s'arrêter là, vraiment. C'est voilà, je suis fier d'avoir fait cette chanson avec lui parce que d'abord, un, c'est une personnalité dans ce pays qui est très suivie. Ça, là, c'est ça. Qui est très suivie. C'est une personnalité. Et au-delà de tout ça, il apporte. Toi, tu t'en sers ma morceau ici. Attends, calme-toi. Oh. Au-delà de tout ça. On a pas tout dit, c'est un truc qui est frappant, on a pas tout dit. Il faut être calmé. Mais alors, ma pauvre, le gars, bébé, il n'a pas moussé. Tu as quoi en queue? Oh, arrête, on en parle. 2023, encore toi, tu viens garder les choses de 22 pour 6. Laisse ça, laisse ça. 2023. Laisse ça. Tu as quoi en queue? Au-delà de tout ça. Moi, mais quand Paul Gonza gâte mon queue, mais t'as. Bon, toi, tu as un peu. Moi, il n'est pas les hypocrites. Moi, il n'aime pas ça. Tu prends l'un de quelqu'un, tu fais. Genre, tu te fais comme si on dirait que tu es une bonne personne. T'as venu t'asseoir sur la chaise rouge. C'est bon, c'est bon. Est-ce que ça a moussé? Tu ne réponds pas mieux. Est-ce que ça a moussé? Yako, tu as raison, c'est bon. Parlons. Donc, je disais, j'ai fait une chanson, Je veux t'aider, qui a fait le tour du monde et qui mousse encore actuellement. Et c'était avec un frère togolais. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre mon propre frère ivoirien, qui est aussi humoriste, comme Dimi Art, et avoir ce même succès-là. Parce que si ça a marché avec Dimi, ça va forcément marcher avec Pancho. Non, ça marche toujours pas. Et on a essayé. Ils ont la même taille. Non, mais attends, grand frère, il est plus costaud. Quelle émotion de coup de taille, on est venu faire bien ces émissions de notre carrière. Pas, il comprend. Mais pourquoi il est pas? J'ai demandé sur vous si ça avait la même taille. Non, ils ont pas la même taille. J'ai un souci à ma taille. Moi, t'es et effectivement, depuis qu'on a sorti. Depuis les fans ne m'ont pas les attaques, ça là, ils connaissent ouais, les attaques. Ouais, les attaques. Ouais, les attaques des amoureux, parce que moi, tu vas te sentir comme tiens, quoi, même côté, c'est toi, tu veux qu'on ramène. Moi, je ne suis pas fan de toi. Voilà. Moi, je n'aime pas les femmes. Ah, moi. Attends, moi, tu dis quoi, je l'avais fait comme ça. Mais toi, tu es clair. Moi, je suis bronzé. Ah, Pogaz, toi, qui es non plié. C'est vrai que tu es une femme, tu es belle, mais tu n'es pas mon style. Voilà. Voilà. Bah, tu n'as pas le tchèque. Ouais. Le beauté. Ah, donc, tu es gigolo. Non, il n'a pas dit ça. Mais si tu dis qu'elle n'a pas le tchèque comme le beauté, donc tu indexes. Non, Tesco. Non, Tesco, t'as bougé les choses. Il a son argent. Non, il a construit dans son village. Il a construit à tout. Il a des voitures. Lui, sa ville, tu n'as rien fait, rien toi. Donc, il parle de lui. Il a dit, lui, il ne peut pas sortir avec Chola. Il ne sait pas les biens de Chola. Mais il dit pour lui. Elle n'a pas de gère comme moi, ma femme. Mais si c'est qu'elle a gère, si c'est pas. Non, ça, c'est lui, son analyse. Moi, il ne sait pas. Son gère, moi, je ne connais pas. C'est qu'elle est là dans son compte. Moi, c'est parce que ma mère voit. Tout ça, là, c'est parce qu'un jour, il m'a vu à Cocofico. Je lui ai pas demandé 5 francs. Ce jour-là, il allait mendier. On lui a donné la rampée un peu. Il s'en volait. On lui a donné des miettes. Il voulait se jouer les dangereux. Il a des yeux de foule. Il dit ah, Chola, oh, tiens ça, oh, vas-y. Bon, moi, il est pris. Moi, je ne sais pas que c'est l'an de mendicité. Donc, aujourd'hui, quand tu vas venir casser le papa de votre monde, puisqu'il m'a dit ça. Vous ne voulez pas que l'émission la finisse. Non, je ne sais pas ce que c'est. On a des. Mon âme, là, il veut que tu me donnes ça aux yeux de tout le monde. Toi, tu es plus bon. Toi, tu es plus bon. Fais sortir son là. Non, le son, ça mousse déjà. Attends, c'est un mille que tu as parlé. Tu as vu le disque. C'est pas n'importe qui. Mais moi, toi, mais tu n'es pas n'importe qui. Mais c'est bon, c'est 50 000. Bah, moi, c'est que. Parce que c'est pour toi. Est-ce que c'est votre futur là? Non, moi, mais lui donne. Faut lui donner. Voilà, faut lui donner. Mais merci, merci. Tiesco, toi, tu es mon frère. Mais ça, moi, il va prendre ton jet. C'est à elle à moi de lui, mon jet. Non, non, non. Moi, c'est ma soeur. Il dit, non, je n'ai pas l'argent pour le pousser. Donc, comprendre. Il y a ses yeux. 2, 4, 5. Voilà. C'est bon, par là, mais fini maintenant. J'ai géré maintenant le mouvement. Ah. Mais ça m'étonne, tu n'as pas pris tes dents. Non, mais. Attends, tu as compté pas. Pas la première fois. C'est bon, ton habitude. On peut passer à autre chose. Moi, il y a pas de. Oui, tu as l'air à la nation. Je veux que tu aies l'air à la nation. Ta buzz, elle te connaît. Ta buzz, ça. Pardon. Tu as maintenant mon si tu continues, tu as maintenant mon vous arrêtez vos histoires d'argent. Je ne manque pas d'argent. Je ne manque pas d'argent. Elle manque d'argent. Voilà, donc c'est bon. Merci, ça fait rire. Qu'est-ce que le suivant? Dis-nous maintenant. Parce que là. Moi, je veux savoir. Qui a proposé le son? Ah, bon, toi, okay. Tu veux savoir quoi, juste Je vais vous expliquer. Ok, j'étais chez moi un beau matin, en pleine promotion de ma chanson, il y a Dieu dedans, et je veux t'aider. Et je tombe sur la page de mon frère Pancho, que je suis régulièrement, et je vois qu'il a mis une petite vidéo où il est en train de
T'as l'amour des Andes. Et ses amis étaient en train de répondre. Tu vois un peu, non? Et il a dit des paroles qui m'ont touché. Où il a dit, calmez-vous les enfants. Quand Arafat a dit que si, il tombe. Donc, ça m'a touché. Et comme je sais qu'il n'a plus envie de chanter, je suis allé le voir. J'ai dit, ce que tu as fait là, c'est un bon truc. Et j'ai vu l'ampleur que ça prenait. Et c'est comme ça qu'on est parti en studio. On a tout recomposé. Mais je lui ai imposé de garder les mêmes paroles qu'il faisait dans la vidéo. Et j'ai fait les refrains. Il a gardé son couplet. Moi, j'ai ajouté un nouveau couplet. Et c'est comme ça qu'on a fait le son. Et depuis qu'on joue le son partout, tout le monde est fan. Et lui-même, il met beaucoup le son en valeur. Elle est pas de moi, il a dit, toi, tu chantes, moi, il répond. Moi, il répond pas. Moi, non, il chante très bien. Tu il peux pas répondre à ça. Mais si pas, il répondait. Non, il chante très bien. Il chante j'ai dit que qui a fait les... Qui a fait les... T'as dit quoi tout à l'heure, en même temps? Qui a composé? Je n'ai pas dit qui a chanté, je dis qui a composé. Non, on a composé ensemble. On a composé ensemble. Au studio, on a composé ensemble. Eh, t'as dit a chanté, moi, t'as dit rentrer. Bon, faut fredonner, on va t'attendre là. Faut plus danser le morceau. Voilà, en tout cas, le morceau, il arrive très très lourd, c'est oui. Le morceau de l'année. Il est déjà sorti. Le mariage de Tiësko le Sultan, enfin, l'amour de Tiësko le Sultan et Lolo Beauté, c'est l'actualité 2023. Mais pourquoi tu dis le mariage? Et le son. On peut dire le mariage bientôt. Oui, le mariage bientôt. Le son va cartonner. Et le son de l'année 2023, voilà. C'est le featuring avec Ponche le Gâteur. Le Talamou descendait. Est-ce que le son est sorti? Sorti en exclusivité ce soir, sur Ivoire TV Musique. Voilà, en exclusivité. Calmez-vous les jeunes filles. Moi, je vais vous parler quelque chose. Quand Arafat dit, s'il tombe... Toi, tu tombes, tu vois, non? C'est ça. Quand toi, tu es tout le gars où il a fait te calmer. Dans la danse, c'est ça, la danse. Dans oui, oui, oui. Même moi, vous montrez à ça. La danse, là, voilà, la danse. Tiens, je dis, t'as l'amour, descendez, c'est remonter, descendez, défends. Une fois dans ta vie pour reconnaître. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Toi, tu vas, c'est facile de chanter. Quand ben, on se lève, on va faut pas faire vos trucs avec Vital. Pas faire vos trucs que vous avez fait à Vital. Chanson, là, tout le monde a validé ça. On s'est même pas encore sorti, on a fait un million de vues. Mais elle a du mal à. On a fait un million de vues sur Facebook. T'as du mal à apprécier quelque chose que je suis fan du morceau. C'est pas que j'ai du mal à apprécier le morceau. Tu es fan du morceau et puis tu es fan de l'artiste qui a chanté ça. Non. Qui a fait ça? Tu es fort. Mais tu es fan de moi. Mais tu n'es pas mon style. Mais c'est un bruit ou bien. Tu es fan de moi. Tu es cache-cache. Ça là, ma belle, ma tête. Lolo est fan de moi, je suis fan de Lolo. Elle là. Toi, elle là. Voilà, elle est en caméra. Toi, tu m'as jamais appelé. Défalé, dis-moi, il appelle matin, midi. Moi, tu m'as jamais appelé. Tu m'appelles, c'est devant 13 ans, devant caméra, tu es venu dire que tu m'appelles. Alors, notre émission tire à sa fin. Alors, merci, c'est ce que je suis en Pancho. Votre mot de fin, et nous allons clôturer l'émission. Votre mot de fin, le message que vous avez à lancer pour vos fans, pour annoncer la sortie de votre nouveau maxi. Ok, moi, je profite de l'occasion de dire merci à ceux qui nous suivent. Faut pas venir citer nom des gens que tu t'en prends leur argent dans. Non. C'est la chanson des Ivoiriens 2023. Il n'y a pas à faire des fesses, des danses. Non, c'est une danse qui est chic, qui est pour tout le monde. Facile à danser. Donc, moi, je vais dire merci aux organisateurs. Tu ne voulais pas parler. Je vais blesser. Aux organisateurs des mariages. C'est qui, lui, là? Quand organisateur des mariages, quelque temps, tu ne t'es pas bien. Qui organisait ton mariage ici? Non, il est trop présent pour mon mariage, en fait. Donc, il dit, demain, tu ne veux pas les organisateurs des mariages. Depuis là, ils ont pris un tiers, son propre frère, pour venir animer moi, mon mariage, son propre frère. Qu'on a dit que ton mariage, il ne faut pas appeler quelqu'un d'autre, c'est moi qui dois présenter ça. Que tu as me donné un million. Et dit petit, c'est que tu n'as pas venu à mon mariage. Donc c'est ça qui est dans sa tête depuis là. C'est mon boulot. Ça le fatigue. Donc toi, ton boulot, là, ton frère doit te payer. Ton bravo, ton en fait, boulot. Moi, je félicite. Yeah, on va tout ce que tu fais pour, pour les artistes ivoiriens. Chola aussi, c'est vrai, il était un peu chaud, mais moi, je reconnais déjà ton talent. Et je reconnais ta manière de travailler. Merci. Parce que tu t'exprimes très bien. Merci. Et ça, c'est déjà une chance pour toi. Même si tu ne le reconnais pas, mais bien fait, vraiment, la personne qui t'envoie à l'école t'a sauvé. Waouh. Personne t'a sauvé. Non, en tout cas, félicitations. Il est heureux quand même. Non, non, félicitations pour ton boulot. En tout cas, moi, franchement, devant Dieu, devant les hommes, moi, je dis bien ton boulot. C'est pas que je te connais. Ça fait 10 ans. Tu es une actrice. Tu es une animatrice. Bon, vieux, tu sais, vous êtes derrière. Moi je dis big up à tout le monde qui me soutient de près comme de loin. Voilà moi je suis pas venu dire les noms de tout le monde parce que. Et le roi. Voilà, aujourd'hui quand tu dis le nom d'une seule personne, il y a une autre personne qui dit t'as pas dit mon nom, ça
ça crée des choses. Donc, c'est comme les sports de voilà, récent. Big up à tous les vieux mongols qui me soutiennent. Big up à toutes mes mamans, mes tantes, mes petits frères, les frères comme de loin, vous êtes bénis. La nouvelle année, là, tout ce que vous allez toucher, Dieu a sa main dedans. Amen. Moi, je fais un big up à mon bébé Lolo. Hein? Et puis, big up à la télévision, Ivoire TV. Mon vieux père Al-Mustapha, mon vieux père Roland. La même maman Mouna, big up. Ouais, maman Mouna, big up. Voilà, avant dit que notre après parti. Après c'est ton travail. André dit merci à maman Mouna. André dit à Zoom Bagay quoi merci. Après tu as dit que notre moi il fait ça là. Mais c'est pour aller plonger. C'est ça. On a mis le sport de maman Mouna, le meilleur sport dans le morceau, c'est maman Mouna. Maman Mouna, de Zoom na Bakayoko. Maman Mouna. On finit de faire tout ça là. La tante c'est là, j'ai avant de donner quelque chose. Toi dit que j'étais allé perdre mes temps. Je ne sais pas. C'est bon. Merci la famille. Merci. Merci, Big Up. Alors, l'émission tire à sa fin. Merci à tous ceux qui partagent depuis la page Ivoire TV, Ivoire FM. Merci à tous ceux qui nous suivent. Continuez d'encourager les artistes qui passent dans le Fafa. Continuez de partager leurs œuvres. En l'occurrence, le tout dernier bientôt qui sort, Pancho le Gâteur, avec Tiesco le Sultan. C'est quelque chose de fort qui arrive encore. Donc, restez connectés dessus. Big up à Kangala le Berger. Big up à Ange le Cultivateur. Big up à Franck Mian, la famille. Sort toujours couvert. Big up à Aboudia le Peintre. Big up aussi à la marraine Mathilda. Merci à tous ceux qui nous suivent. Big up au PDG Pierrot. On est ensemble. Surtout, sortez couverts. Téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, merci d'avoir été en notre compagnie, malheureusement Fafa pour aujourd'hui. C'est terminé. Nous avons donc reçu Pancho le Gâteur en compagnie de Tiesco le Sultan. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci à Soko, Stéphane Naka et William Santiago. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même canal, pour de nouveaux papos à casser. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Défalé, à la semaine prochaine. Au revoir. Big up.